Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de Pokémon X et Y en défi meurtrier. Et je suis dans une position obligatoire, un petit peu en PLS parce que j'ai mal au ventre. Voilà. Bonjour Volt, comment ça va pas? Et ben ça va pas du tout. Pourquoi t'as J'ai mal au mangé au ventre? resto, les Ouais, gens, pour un raconte-nous. petit peu vous raconter ma vie évidemment. Et j'ai trop mangé, donc voilà. Tout Ma vie simplement. est palpitante, comment tu peux le voir? Bon, j'espère que ça va aller pour cet épisode, hein. Mais Et oui, même mais si oui. t'as une Hey, envie pressante, tu vas. moi, c'est quand même. Il y a un truc qu'il va falloir noter dans cet épisode, et c'est que les gens, j'espère qu'ils auront capté, c'est qu'on tourne le jour. Ah oui, Et oui! exact. Et ça, c'est nouveau! Et là, tu mets un Exact. pouce bleu direct, parce que là, tu te dis, wow! C'est Les mecs, ils ça. font un effort, ils tournent le jour! Alors vous avez été nombreux à préférer la nuit, on a vu ça dans Oui, les j'ai vu commentaires. que les gens préféraient la nuit. Bon, en même temps, c'est normal, mais bon, Bah j'aime bien un petit peu d'ensoleillement, ça fait toujours du bien. Voilà. oui, Du coup. exactement, besoin de vitamine Alors moi A. je dis, alors les gars, juste, j'ai déposé l'IQ et le chien. Parce qu'en fait, je voulais vraiment prendre mes pokés que j'aimais bien. Bon, l'IQ il est mort, mais bon, il est un peu Il est relou. marrant. Enfin non, mais je l'envoie quasiment jamais. Enfin, il XP qu'avec le multi-act, donc c'est pas drôle quoi. Ouais. Donc voilà. Ok, bon, on a mis le mode défini tout le temps, Tiens, une suite animation. à une remarque d'une personne en commentaire. Et puis nos défis, donc moi je peux pas capturer de Pokémon. D'ailleurs, cette règle va être enlevée parce qu'au final, c'est vrai qu'elle elle sert pas Bah, vraiment à en fait, dans le grand-chose. sens où on On peut peut y refaire re... la zone, la règle Voilà. est pas si influente que ça en fait. Donc on pense la retirer ou peut-être la modifier pour au plus tard. Mais pour l'instant, voilà, Voilà. on la retire. Enfin, elle est toujours active dans cet épisode. Oui. Mais par la suite, elle n'y sera plus dans les règles proposées. Voilà. Et toi, tu n'as rien. Moi, j'ai rien parce que je suis tombé sur une règle neutre. Voilà, tout simplement. Et là, je suis entré dans le Four Eh ben Vanitors écoute, et j'y arrive. il y a une meuf qui me fait, hey, beau gosse, donc ça doit être moi le salaud. Pourquoi ça? Que vois-je? Un ami. Oh. Kissou. Ça, moi, ça fait longtemps que j'ai plus. Je me souviens plus de tout ça. Non plus. Tue Dieu, quel vacarme cela promet, ce fort. Non, ce prodigieux palais, je Ça lui parle fait passé. un an et demi, 2 ans que j'ai pas joué avec XY. Hein. Enfin, que j'ai pas fait l'aventure en tout cas. Ouais. Ouais, Je l'ai après fait une on fois, fait les pourquoi, matchs, tu vois? mais. L'aventure, tu l'as fait une fois, après t'es content, quoi. Ouais. Quoi, c'est tout? Rien sur les méga évolutions! Quelle arnaque! Remboursé! Mademoiselle, surveillez votre langage. Oui, je vous ai tout compté par le menu. Aussi, quelles sont ces extra-circonvolutions dont vous voudriez parler? Qui est parti trop loin. Circonvolution. Et qu'il invente un nouveau. What the fuck, c'est qui? Monseigneur, il est revenu. Monseigneur, il est revenu. C'est de nouveau cette funeste saison. Hélas, je suis impuissant. Veuillez m'excuser, je dois me rendre sur la route 7. Continuez donc à vous imprégner de la noblesse de ces lieux. C'était qui le type? Je me demande bien ce qu'est le trafic. Bon, on fait quoi? On quitte ce château moisi et on va voir ce qui se passe sur la route 7? Hi Non, moi hi j'ai hi. envie de voir un R7. peu ce qu'il y a. Y a Ouais, moi aussi. rien? Si, il doit y avoir des Je objets, crois non? qu'il y a. Non, il y a... en vrai, il y a rien, je crois. Je En crois qu'il y vrai, avait y a rien. peut-être un objet à récupérer, mais Si, je suis je pas crée un sûr. objet. Ah, y a, voilà. Corde Oh. sortie, ah, génial. Putain, fantastique. Ah, fantastique, hein, merci. Ah, je suis. Wow! Ça y est, ça refait notre journée, ça. Attends, il y a un truc là. Attends, mais j'étais jamais venu ici, moi, quand j'ai fait le jeu. Mais si, tu t'en sais. Ou sinon, mais t'as. Non, non, moi j'ai Ben. tryhard le jeu. C'est rien. Je les rush, hein, tu sais. Les jeux poker, en général, je les rush juste pour. Ouais, mais c'est dommage, faut bien profiter, surtout que cette version. Non, t'as dû y aller, mais t'en souviens pas, moi non plus, je m'en souviens pas. Hein. Moi, je croyais que Bon, ça, je croyais que c'était le palais chef-d'œuvre, alors pour te dire, je pensais qu'il y avait le chien et tout. non, en vrai, après... non, XY, je l'ai pas aussi rush que ça, parce que j'ai vraiment joué post-game. Et ouais, franchement, enfin, comparé à Rosa en tout cas, c'est Ah sûr ouais. que je l'ai beaucoup mieux. Ah, mais c'est lui qui est passé. Le fort doit pas te mon... Oh là là, putain, je sais pas lire. Le fort doit pas te donner la même impression qu'à moi, parce que toi, t'es moi et moi, je suis moi. Hein? Ok, la schizophrénie. Allez, salut. Attends, Ah, t'es allé à gauche, c'est ça? ouais, non, à droite, sur la route 7 là. Enfin, oui, sur le. Enfin, oui, tu m'as compris, oui. Mais la route 7, elle est où, à droite? À gauche, ouais, à À gauche, la ouais. gauche, ok. Beau gosse, par ici! Non, je veux aller là-bas, putain. Vas-y, à quoi? Ah oui, là, il y a le truc DB. Je l'ai pas vu, moi, le mec. Ah, si, il était à l'entrée de. Par ici. Ah, il faut Eh, aller en monsieur, bas. viens voir. Ah, oui. Boutiou, je suis sûr que tu ferais l'affaire, regardez-moi, ça, c'est mon champ de baie. Qu'est-ce que tu dirais si je te confiais mon champ? C'est le bonheur à te faire pousser des baies. T'es jeune, brasser la terre, ça te forgera le caractère. Riche, simple, digne de confiance. Allez, tu peux pas savoir avant d'avoir essayé, alors t'en dis quoi? Bah ouais, vas-y, hein. Le mec t'arrive, il te donne son champ.
High five! le fruit de tout mon dur labeur de toute ma vie. Et mon gagne-pain. T'as dit non? Comme ça, je ne gagnerai plus d'argent, je ne pourrai plus en nourrir ma fille. Allez, salut. Mais t'as dit non? Non, j'ai dit oui. Ok. Ouais. J'ai pas, t'as inventé un dialogue là? Non. Si, si. Ah, ok. A ton avis! Je sais pas, je me suis dit, elle t'a dit non et. Quoi, tu veux pas? C'est ce que tu vois là devant toi, c'est un bon sol meuble, c'est ici qu'on plante les baies, ça pousse tout seul, crois-moi, c'est pas compliqué, tu choisis une baie. Ça, je l'ai jamais fait, ça. Genre. C'est juste pour avoir des baies, quoi. Je crois que j'ai. Ouais, non, mais. Non, en vrai, c'est sympa parce qu'avant, tu pouvais pas. Comment ça, bah, tu depuis. Peux... Ah oui! Si, dans Diamant et Perle, tu pouvais encore. Ah oui, c'est vrai. Et platine. Noir et blanc, tu pouvais? Non, je crois. Non, ouais, je crois pas. Je crois qu'ils ont dû l'enlever. Ah, tiens, un objet en bas à gauche. Le Nénu Rosoir. Ah, le fameux. Avant, c'était... Le temps convoité. La Carapuçao. Ouais, Carapuçao, voilà. Ouais, et dans le Ruby Saphir, c'était le Welmer, Welmer Rosoir, non? Ah, c'est possible. T'avais un Welmer. C'est quoi en bas à droite, là? Oui, d'où le mot Welmer Rosoir. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci, Galius. Voici un composteur. Le Carapuçao, c'était un carapuce, non? Ah, le ronflex. Ah oui, c'est ça qu'il y avait un ronflex ici. Oh, et bien, il y a plein de détails dont je me souviens plus. Beau gosse, tu crois que c'est... Quoi? On dirait moi, quand je dors. Attends, je suis en train de faire du compost, là. Quoi? Je te jure, en bas à droite, tu peux faire du compost. Je vais faire du compost, d'accord. Je sais pas, il me demande de mettre 3 baies. Bah écoute, fais donc ton compost, hein. Hélas, la monstrueuse créature dort d'un sommeil si paisible que rien ne saurait la réveiller. C'est énorme. C'est énorme, votre machin. Vous avez vu la place que ça prend? Faut utiliser votre pipeau magique, là, et la pokéflûte. Pipeau magique? Comme tout le reste. Point perdu, mais cédé. Vous pouvez dire voler aussi, par le tordu de l'autre château. Attends, j'arrive, là. Ah oui, c'est toi qui dors. Oui. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Donc t'en es où là? Alors attends, mais c'est vrai, vous l'avez perdu comme tout le reste. Point perdu, mais cédé. Vous pouviez dire volé aussi par le tordu de l'autre château. C'est là? De quoi ça parle? Ouais. La pokéflûte, ça sert à quoi? Ben, en un mot commençant, la pokéflûte est le seul remède au sommet de Ronflex. Or, ce noble artefact appartient désormais à la collection particulière du palais chef-d'œuvre. J'aime bien ce mot, artefact. Ouais. Ok, donc il faut aller la route 6. Non, oui. Ah bah allons-y. Donc là faut faire gaffe parce qu'il y a des Pokémon qui surviennent, qui sautent là, à droite à gauche. Ah ouais? Eh oui! Des buissons. On se souvient plus. L'allée du palais possède deux buissons. T'as déjà fait la zone? Non mais c'est un dresseur. Ah ok. Alors, moi je vais mettre qui? J'ai mon kebab là, vas-y go. On va mettre Myrtille. Kebab contre Oot-Oot. Je crois que je suis une touriste dans un groupe, mais en fait, je suis super forte. Ah, ça, hein. Très bien. Dis pas le contraire, moi. Il inflige rien, c'est un truc de ouf. En vrai, j'ai des bons levels. Enfin, morsure, je pense. Il a encore une meilleure attaque qu'une attaque SP. Vas-y, hey, Kebab, j'ai confiance en toi. Myrtille. Oh non. Écume et Myrtille. Oh non, il fait broie. Il est niveau 13. Kebab dort profondément. Ah, qu'est-ce que c'est mignon un kebab qui dort. C'est mignon. Ah mon gars, Velga, tu vois, quand il ferme les yeux, on dirait qu'il est en train de... Je sais pas, il est perturbé. C'était sourcil. Ah, c'est bon, il s'est réveillé. Nice, 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 nice. Putain, il était solide le out-out quand même. Hein. Bah franchement, ouais. Il a rien pris sur écume. Ah, j'ai un petit bruit. Ah oui, d'accord. Ok, bon, soit. J'aime bien le contraste de puissance quand même, hein. C'est pas mal. Bon, on va envoyer Terrakion. Terrakion contre Darkrai, hein. Bienvenue dans le Nuzlocke. Ah non, moi j'ai pas de... Ah oui, t'as dû en avoir un autre en comptant. Ah non, c'est ton deuxième celui-là? Ouais. Ah ben moi il a... Il sait qu'elle en a 3, et l'autre est pas mal aussi. Ah ouais? Ouais. Me dis pas. Je peux faire ça par moi-même. Déjà que j'ai one shot le Darkrai déjà. Ah tu sais, Terrakion, les bails. Hein. C'est super efficace. Le Darkrai ennemi est KO. Ouais. 7.
Concombre monte au niveau 15. Concombre veut apprendre bélier. Non, je ne veux pas apprendre bélier. Mouillade, oh, ça va. Ouais, ça va. Bon, c'est chance que je peux pas le toucher. Ah si, j'ai anti-air. Ouais, je reste, on s'en fout. Y'a pas d'attaque haut, hein. On a confiance en ça. Mais oui, on a confiance. What? Du coup... De quoi? La B? Et papaya. Ouais, ça va le rendre confus. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Ça, c'est l'objet nul, ça. Ah bah, il se boostit ça dans la confusion. Tu vois, ça, c'est l'objet. C'est moins fort qu'une B citrus, et en plus, ça te rend confus. Bon. Tu sais qu'il a pas mal de chance, parce qu'il avait... Il est mort, là? Il est KO? Parce qu'il avait quand même Bulldo, hein. Waouh. Ouais, on sait jamais, hein. Je suis sûr, même Tarion, il aurait fait... Ouais. Ouais. Bah écoute, si tu veux me faire prendre ma douche, c'est pas tout de suite. Concombre, monte au niveau 16. Yeah, genre une évolution. Ah, ça y est. Déjà niveau 16. Bah, ah oui, mais t'as multi-exp. Ah ouais, ouais, faut le désactiver. Ouais, moi j'ai désactivé. On le désactive, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, sinon c'est trop. Ouais, je désactive. C'est trop cheaté. Donc il évolue pas, ok, tu le fais évoluer au niveau 17. Non. Non, moi je veux mourir bizarre. Non, j'avoue, ouais, le multi-exp c'est un peu n'importe quoi quand même. En fait, c'est surtout n'importe quoi dans le sens où avec les pokés qu'on a, enfin déjà moi, c'est ouais. Pas donc on va l'enlever et on le remet pas durant l'aventure. Voilà, c'est ça. Enfin, on le remettra si au cas où on a besoin d'X. Oui, voilà, que... voilà. Mais là pour l'instant, on a pas besoin. Et là, on a tellement pas besoin, mon gars. Ok. Naruto. Alors, multi-ex désactivé. Mon gars, j'adore ma team. Alligator, Simiabras, Air Bizarre, Terrakion. Mais genre, ouais. Les types, starter et tout. Avouez, vous kiffez ma team. Tiens, on va faire un truc. On va dans les commentaires. Quel team vous préférez, Galius ou moi? Dites-moi. Ah, quel type? Non, quel team? Ah, quel team, ok. Attends. Est-ce que c'est pas team avec les starters plus Terrakion? Allez, mais celle de Volt, elle est trop forte. C'est pas du. C'est Galius. C'est pas amusant. Avec son Magikarp là. Mais qu'est-ce que Magikarp peut devenir en Boléviator? Il veut devenir un moustache? Ah, moustache. Ah là là. Galvar. Hein. Tu vas voir, ça va être marrant si tu le mets pas KO. Oh punaise. Quoi? Si tu le mets pas KO, tu vas voir. Se retire avec bouton. T'as vu? D'accord. Bah écoute, mec, salut, hein, bonne journée. J'adore ce Pokémon Etouraptor. J'aimerais bien le voir. Est-ce que bruiteuse empêche hypnose? Avec anti-bruit. Ouais. Ouais, tu penses? Attends, de quoi j'ai pas compris? Est-ce que hypnose ne passe pas quand un Pokémon a anti-bruit? Ah non, c'est pas une attaque sonore. C'est une attaque sonore, hein. Bah pourtant ça fait DOUM. Toutes les attaques font un bruit dans ce cas-là. Mais non, non, c'est une attaque sonore. Ah, je l'ai évité. Ah, ok. Oh la 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 la. Bruiteuse. Un Pokémon avec anti-bruit, mon gars, c'est le counter de Gardevoir. Les grosses strats, hein, évidemment. Encore Galvan? Encore, moi aussi. On a dû l'avoir en même temps. Vas-y, morsure. Galvarant. T'as vu, il est beau le fond, hein. Un Galvarant, je pense. Le fond est quand même assez beau, on voit que c'est la route ouais, et tout. D'ailleurs, Siza, il a maintenant sur ses matchs, il fait les, oui. Les persos. C'est stylé aussi. Ouais, 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 c'est trop bien ça. Pick my background. Ok, allez. Chafrotto, au début, j'ai lu Dracaufeu, j'ai fait ouais. On va se calmer. Tu fais un combat toi, je pense pas. Oh, et dresseur, je voudrais partager. Mais c'est une zone. Oui, bien sûr. This is the zone. Moi je peux pas, mais toi tu peux, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La PLS de Galus. Sniff. Putain, mais vas-y, mais Chafron il m'énerve, il est trop solide. Ah ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est même pas les Pokémon en face qui sont solides, c'est mon Elgatuar qui tape vraiment comme une tapette quoi. Comme une tapette. Morsure. Oui, j'attaque morsure. Ouais. Et qui fait 2 dégâts, s'il te plaît. Gars, voilà, Simiabras, mon gars, avec un Mac Punch, il l'a HKO limite. Ah, d'accord, hypnose. Et mon gars, Simiabras, il a tellement de style. Non, mais mon gars, ma team va être trop stylée, mon gars. Il y a des Simiabras, des Terrakion, Alligator. Mais oui, ma team. Mais elle est pas originale, les gens. Oh, ouais, non, mais elle est pas originale. Ça, tu dis ça parce que t'as un Magikarp. Arrête de parler de Magikarp, j'ai aussi un beau fenard. Ah oui, t'as pas la chèvre aussi là? La chèvre, non mais il respecte rien. T'as pas le fromage? Alors attends. C'est une chèvre que t'as à voir, c'est un espèce de bouquetin. Oui, c'est un bouquetin, voilà. Bouquetin! Ouais, pour moi, c'est une chèvre. Ça se mange en fromage cette histoire.
Bon, voilà, j'ai pris une belle photo, moi. Au moins. Belle photo, qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis fait un petit selfie et tout. Mais c'est ça, hein. Avec Ozo. Ah, Golden Monkey 19. Mince, je voulais mettre oui. Bon, tant pis. Golden Monkey. Ah, roue de feu. Ah, ça c'est bien ça. Ah, mais il est modeste, hein, n'oublie pas. Ah ouais, merde. De toute façon, dans l'aventure, les natures, ça influence pas de ouf. Bon, ça influence, mais voilà. Oui, Il non, va gagner des CP un peu partout, donc au pire. après, on fera la SPV. Oui. Oui, bien sûr. Ouais, y a, tu sais, si on veut train, parfois, Oui, on y a moyen. peut, mais bon, s'il faut avoir Ouais, le temps, quoi. Enfin, c'est le de la temps. merde, Pas forcément d'accord. le temps. Attends, meuf, Tom, faut que je sorte du coup. Mignon. Tu me dis quand t'es. Fait, j'aimerais bien faire la zone. Tu veux la faire maintenant? Tu veux pas Bah faire genre ouais. le palais et on le fait tous les deux dans le prochain épisode? Ouais, si tu Non? veux. Ouais, De toute façon, on va donc. tourner à la suite, donc au final, on va le faire aujourd'hui. Oui, t'as raison. Attends, Ouais. y a un objet là-bas. Ouais, vas-y. Ah, de l'huile! Non. Pour préparer tes plats, c'est Quel pratique. objet! Trouver de l'huile par terre, bien sûr, vous la C'est ramassez parce que vous êtes un gros schlag. Où t'as pris la photo? faut reculer un peu à droite, il y a un panneau violet. Ah, bah trop tard, j'ai le majordome qui me parle. Allez, vas-y, on va parler au majordome. L'entrée vous coûtera 1000 poké dollars! Ah! Ouh. Ça fait cher quand même, hein! Cher, Ouais. c'est un salaire, hein! C'est ce qu'on gagne sur YouTube, les. What the fuck? Hein, Hein? sérieux? Sérieux? Il faut payer pour entrer? Votre seigneur et maître, vous l'apprendrez bientôt, pense qu'on ne peut jamais avoir trop d'argent. Le mec il a un palais de 250 000 mètres carrés là, avec des portes plaquées or. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu sais, 1000 poké dollars, et bien sûr la gamine elle en a 1000, tu vois. Bon, ça montre comment tu les as eu, hein, tes 1000 poké dollars. Oh, s'il te plaît, Volt. J'ai rien dit, les gens Y a dans des les rues commentaires. d'Illumis un peu sombres, Les rues d'Illumis ce soir sont parfois un peu plus éclairées que d'habitude. un peu. Bref, bon, c'est bon là, qui s'accroche son argent tant qu'il veut, on verra si ça le rend heureux. Prenez-les vos 1000. Ah, c'est qui nous paye? Ah, oh, bah très bien. Tiens, je t'avais dit, mon gars. Ah Non, mais non. tiens, c'est. Non, Allez, non. c'est ma tournée. Non, non, c'est pas sa tournée du tout en fait. Ah là là, je suis sûr, elle habite dans le 16e arrondissement. Alors, on entre. Wow. Bon, ça me mérite d'être beau. Ouais. Mais bon, ça. Putain, le Milobélus doré, il est stylé. Le Milobélus? Non, Ah, j'ai pas une vu. permanente, où est-il Ah. passé? Dans une permanente. Ça veut rien dire cette expression. Où es-tu? Ah ouais, le Milobus, putain, t'es en avance, attends. Oh, il y a des scalpions à droite, des scalproies. Ah Super ouais. beau. Mon amour poilu et bouclé, mon coiffarel chéri, réponds à Chewbacca. ma supplique. À ma supplique. Ma supplique. Ils emploient des termes. Ouais. Mon coiffarel chéri, mon amour aussi précieux que mon air chevelu a disparu. Ton quoi, ton air? Non, mon. Moi j'ai mal lu, je sais pas. Moi, il y a mon cuir. Ouais, c'est mon cuir, c'est ça. Ah, ok. Non, je sais J'ai pas du ce quoi. mal lire, je pense. Il faut qu'on fasse quelque chose. Imagine, tu étais à sa place, un de tes Pokémon disparaît, c'est la fin du monde. Je m'en bats les steaks. J'en capture un Car il s'en va, il autre. fait ce qu'il veut. C'est une statue de Scalproie conduisant des Ah Scalpions. oui, je sais où c'est dans le parc derrière. Bah oui. Oui, ça. Mais viens, on regarde un peu les statues et tout, c'est sympa. Je suis le J'avoue, j'ai un barde errant. Ô toi, passante, écoute-moi. La radieuse Kalos, source de toute beauté, fut il y a Oh, 3000 ans regarde la une terre statue, on désolée. dirait le méchant dans Hunter x Hunter. Ah ouais? Statue à droite là ou à... Ouais, enfin quand tu montes vers le majordome là. Ah, j'y suis pas encore, attends. Une guerre Bah, futile aussi vaine qu'éternelle dévasse. Ah, mais tu lis les trucs qu'il y a sur les. Voulez-vous Ah, donner un d'accord. pourboire? Oui. De quel montant? De 500. Ah, oui, d'accord, mais Galo, c'est trop riche, toi. Réjouissez-vous, mortel, car moi aujourd'hui je ris. D'accord. D'accord. Oh, c'est quoi? Un passé glorieux. D'accord. Seul un roi exceptionnel a pu faire bâtir un château, pareil, d'accord. Mais c'est le Bienvenue à roi tous pour soleil, ce let's play sur Tourisme Pokémon. hein. Vous y Nouvelle découvrirez à version. votre droite un château fort merveilleux, des sculptures magiques, et bien évidemment, on doit chercher un De chien dans ce. l'argent. De l'argent. De l'or. Non, rien au même sujet, monsieur, de l'argent. Ah oui, c'est pas là où il y a le. C'est là où on va se prendre la main et on va faire oh c'est beau avec le feu d'artifice à la fin. Tu vas Mais voir. non. Ah oh, ça va Ouais, être c'est. trop marrant, ça va être Galius. Ah ouais! Non, cette situation est extrêmement particulière et je vais directement aller chercher le dog, hein, parce que. Non, parce que ça devient gênant. Ah ouais, non, non, ah ouais, non, mais je m'en souviens de la scène. Mimi, Oh ils là font là. oh et en plus toi ça va être le garçon.
Galius, ah, j'ai quelque chose à te dire. Ça. Ça y est, putain. Bon, ça, c'est une fille, un garçon, donc encore ça avec toi, tu vois. C'est Marie avec Volt. Ah bah... Bon, ça peut passer. Enfin. Je me demande ce que le roi de Kalos pensait des Pokémon. Ah, je sais pas. Il disait que c'était tous des gros bâtards. Ah, bon, je vais faire un tour derrière. Un tour derrière. Alors, apparemment, enfin, tu sais, le jardin, il représente des Pokémon. De haut. Ah, ok. Oui. Oh, il y a Golemastock à gauche. Ouais, t'as vu. Et Crapustule, je crois. Ah, il y a là le chien. Non, Cra... Bonjour. Coif. Coif. Oui, parce que c'est pas waf waf, ça fait coif coif. Ah oui. Oh, il y a Reshiram. Waouh. Alors, il est où le chien? On a vu un Darkrai il y a pas plus tard que 5 minutes, donc bon, au pire. Ah, il est là. Coif. Non, ne t'en fous pas, beau gosse. Beau gosse. Active-toi un peu et donne-moi un coup de main. Oh, tu me parles mieux là. Bon, le cheval. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de cette partie où on doit bloquer le chien. Je vais l'empêcher de s'enfuir, dis-moi où il faut que je me tienne prête, par exemple. Oh là là, je sais pas. Ici, une fois que tu t'es décidé sur l'endroit que je dois garder, dis-le-moi. Je veux bien avaler mes couettes. Ses cheveux, quoi. Elle va manger ses cheveux. J'espère qu'il y a que tes couettes. Hein. Quoi? Et mes poux. Alors, bah, je sais pas, je vais dire là. Hein. Tu veux qu'elle attende ici? Oui, allez, vas-y. Attends, moi je veux qu'elle attende là. Je sais pas si on a mis le même truc. Moi j'attends là. Oui! Voilà, attends bien là, comme ça moi je le bloque par en haut, je lui fais une prise de catch. Mince. Une prise de catch. Mais que dit-il? Mais attends, mais il va en bas cet abruti. Mais oui. Mais quel autiste, attends viens ici toi. Attends, on va le faire changer de place. Oui moi aussi. Tu l'avais mis où? Moi je l'ai mis à gauche. Oui moi aussi. Ah voilà, mais quel con. On peut le mettre en bas là? Non je crois pas. Attends je vais voir. Ah si c'est possible. Ah, si oui, attends, en fait tu peux le poser où tu veux. De toute façon Osef, je vais le bloquer. Ah oui mais en fait justement du coup il change de chemin. Oui bah oui. Mmh. Ah oui, il faut le bloquer en haut. Ah ouais. Si elle attend là-bas. Alors ah, attends, si, moi il est en haut déjà. J'ai compris le délire. Donc ouais. Là, faut la mettre en bas maintenant. Putain, c'est un casse-tête ce truc. Eh mais faut avoir fait des études et tout. Faut avoir fait des études. Bon, moi je vais la mettre là. Et... Entendu. Ouais. Ah donc là il va en haut, on est d'accord. Ok donc là. Beau gosse, je me disais. On va normalement j'ai gagné, je pense. Ouais. Ah mais non. Si. Normalement, voilà, j'ai c'est bon. Si c'est bon. Pas trop tôt, on l'a enfin eu. Nous sommes exceptionnels. Tu me dis quand c'est bon. Oui bah attends. ce jeu n'est pas si facile ah, que ça. Ah mais t'as pas un bac plus 5 hein, mais c'est pour ça. Je le disais aussi. Bac pro quoi faire. Bac pro quoi faire. C'est bon, j'ai réussi. Ouais. Ah très bien. Je te laisse faire la voix de la petite fille. Mon coiffarel, mon petit trésor poilu. Ah d'accord. D'accord. J'en suis tout ébouriffé, que dis-je? J'ai un peu d'artifice à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ne coupons pas les cheveux en quatre. Ce feu d'artifice, preuve de mon amour pour coiffarel, sera grandiose. Comme vous n'avez pas de poils dans la main et que vous avez retrouvé mon coiffarel, ces festivités vous serviront aussi de récompense. Il vous suffira de vous rendre au balcon. Oh non, on va voir la scène. Tiens, on s'arrête sur cette scène. Non, je déconne. Bah oui, mais bien sûr, on est à 23 minutes là. Ah, ah tiens, des objets en bas. Super potion intéressante. On est déjà à 23 minutes, c'est chaud. Ouais. Ça passe vite. T'as pas fait grand chose, mais bon. Ça passe vite le temps quand on se travaille dans les jardins des autres. Hein. Ouais. Ah là là là. Eh oui. Hein. Y'a pas les objets? Si, si, y'en a en bas. Y'a une super potion, c'est pas trop mal. Oh, y'a même une CT. Ah ouais? Et c'est la CT... Ah non, c'est une CS. La CS coupe. Je pense qu'elle est nécessaire. Ah, on la trouve ici, coupe. Ouais, je savais pas. Putain. J'avais oublié. Oh, une Pokéball, elle est belle. Elle est où? Elle est où? Elle est en bas, il fallait que tu ailles en bas. Dans les petits trucs, les petits labyrinthes. T'as pas vu? Ah, attends, il y a un truc, là. Rappel. Ah, nice. Ça sert à... C'est très pratique dans un S-Block ce genre de choses. Défense spéciale, ok. Moi j'ai envie de voir Zekrom en haut. Waouh. Unis et Kalos ont peut-être eu des échanges à un moment de leur histoire. Non mais. Ah ouais?
La statue à l'entrée du jardin est celle de Rishira, mais celle qui se trouve ici représente Zekrom. Tous deux sont des Pokémon légendaires du Nice. Donc c'était quoi? Il y avait le... bon, pas la vérité, la réalité et... La vérité, je crois. Non, réalité et... Ah, coupe, ça y est. L'idéal. Okay, il voit Pokémon, mais il comprend pas. L'idéal, bravo, c'est ça. Bravo. Enfin, je crois que c'est réalité. C'est mon idéal et... C'est ma direction. C'est ma direction. Ah tiens. Ça c'était avec 6 heures, on avait fait un épisode avec ça. C'est malédiction. C'était ça, ouais. Il y a plein d'armes aussi. Vas-y, moi je vais sur le balcon. Allez, vas-y, j'arrive. Je te rejoins. Viens me joindre à moi, Galiou. On va se prendre la main. Viens me joindre à moi, ça ne veut rien dire. Alors, comment allons-nous au balcon? On prend les escaliers. Ah non, mais c'est avec la meuf. Ah oui, c'est la meuf, c'est vrai. Mais oui, on a un côté pédophile. Ah, mais oui, j'avais oublié. C'est la première fois que je vois un feu d'artifice avec un garçon. Attends, mais t'es où là? Ça comment? Attends, t'es passé par où? Bah, je suis sur le balcon. Mais t'es allé comment sur le balcon? Attends, je crois que... Tu montes l'étage, tu vas tout au fond. Ok, alors attends, je crois que c'est là. Ouais, c'est là, je crois. Ah oui, voilà, j'y suis. C'est la première fois que je vois un feu d'artifice avec un garçon. Ah là 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 là. Et moi, ça va être quoi? Vu que je suis une fille. Oh ouais, non, mais ça va faire le vieux mec, c'est... Oh, c'est la première fois que je veux... Tiens, ici, avec une fille. Waouh. Mais j'aimerais vraiment qu'on devienne de bonnes amies. Ouais, bah, pas que de meilleurs amis. Ah, oui, mini Draco, c'est beau. Draco, ouais. La musique est sympa aussi. Vol, je suis sûr que ce feu d'artifice va nous laisser des souvenirs inoubliables. Oh, t'emballe pas, hein. Parce qu'on la regarde. Tu te calmes, tu as 10 ans. Quand tu auras eu ton brevet, on pourra parler. Et encore. On l'aura regardé ensemble, cœur. Oh, t'es mignon, ouais. On va pas se tenir la main, non. Un feu d'artifice le jour, tout à fait normal. Ouais, c'est ça. Le jeu, c'était la nuit, tu sais. Ouais. Ça passait mieux en même temps. Bon, la prochaine fois, on jouera la nuit, Volt, parce que on rate des événements comme ça, quoi. C'est seulement où on devait jouer la nuit, tu vois. Voilà. C'était... Je trouve pas de mots, à part génial. Je n'oublierai jamais ce moment qu'on a passé ensemble. Putain, ça c'est bien une meuf, ça a exagéré partout, là. Un feu d'artifice au poil pour mon amour poilu. Lui, par contre... J'imagine que vous êtes satisfaite. Ya. Oui. C'est quoi ça? Non, c'était la voix de la fille là, non? Oui. Au fait, et la Pokéflûte. Ah ouais, elle a Pokéflûte. Hein? Un gros patafouf. La Pokéflûte. Au travail. Bon, est-ce qu'on fait la suite dans le prochain épisode ou est-ce qu'on va les réveiller Ronflex au moins? Je sais pas. Non, on fait la suite. La suite. Non, enfin, on fait la zone et tout. Ouais, non, on va faire ça après. Ouais. Parce que attends, Ronflex c'est un Pokémon de zone, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Est-ce qu'il est randomisé? Ah, je sais. Je pense pas. Y'a moyen, hein. Je suis pas sûr. Parce que là, les Pokémon fixes ils gardent leur apparence, tu vois. Oui, non, c'est l'apparence c'est sûr. Mais je suis pas sûr. C'est comme les Pokémon légendaires dans Ruby Omega, il fallait faire un par un, il me semble. On va voir, hein. Ah. Ça vous évitera des cheveux blancs, je sais pas pourquoi il dit ça. I don't know. J'aime voir plein de choses et me faire de tas de souvenirs. Oh là là, mais tais-toi. Insupportable. Vous n'imaginez pas à quel point gérer ces lieux peut être un calvaire. C'est sûr, t'es payé 10 000 euros par jour. Quelle tromperie, hein, évidemment. Mais au fait, monsieur, vous avez entendu parler des méga évolutions. J'ai souvenir d'avoir lu quelque chose à ce sujet en compulsant un ouvrage dans la bibliothèque. Cela parlait d'une personne, un dresseur comme on les appelle maintenant, qui brandirait une pierre mystérieuse pour faire évoluer un Pokémon ou je ne sais quelle fadaise. Si vous désirez en savoir plus, allez donc voir par vous-même. Et pour vous remercier de votre temps, laissez-moi vous faire un humble présent. C'est quoi? Rengorgement. Attends, c'est random là ou pas? Je sais pas. Il faut aller vérifier. Ah, capacité abri. Oui, c'était... Ah. Protège les attaques adverses. Ah bon? Mais prenez garde, elle a tendance à échouer si elle est utilisée plusieurs fois de suite. Sur ce, je vous prie de m'excuser. Rengorgement, c'est pas trop mal. Ça augmente quoi? L'attaque, la défense et la précision? Mon Terrakion, il est là. Ah ouais? Non, ça augmente l'attaque et l'attaque spé. Ah, ok.
Attaque, attaque XP. Attends, je vais voir si quelqu'un peut la prendre, moi. Bon, du coup, Gaius. Les règles. Les règles meurtrières. Bon, du coup. On va faire la zone dans le prochain tour. Alors, attendez, c'est de 1 à 25, hein, malgré tout. Tout le monde peut apprendre engorgement. Je sais plus mon clavier. Mais j'enlève. J'enlève grandement, c'est nul. Bon, alors, Gaius, est-ce qu'on commence par toi ou par moi? Par toi. Ok. Et c'est la règle numéro 9. S'il y a un match, le gagnant peut ressusciter un Pokémon mort dans son PC. Dans le prochain épisode, il n'y aura pas de match, donc cette règle ne sert à rien. À toi? Ouais, bah ouais, à moi. Ou alors, je rechange de règle, mais je sais pas, parce que normalement, après... Ouais, genre, c'est vrai qu'elle s'active généralement rarement, c'est juste quand ça tombe vraiment sur un match, vu que c'est une règle quand même assez... En fait, il faudrait la mettre que quand on fait un match, tu la rajoutes dans les trucs, tu vois. Ouais. Là, tu l'enlèves. Donc vas-y, refais-le. Bon, voilà. Ouais, je vais l'enlever, sinon... parfait. Ouais. Alors, c'est parti, règle numéro 23. J'ai le droit de relancer une zone de Pokémon si je ne l'aime pas. En gros, okay. Cette règle, c'est la prochaine zone, bah justement la prochaine zone qu'on va faire d'ailleurs. Si le Pokémon que je vois ne me plaît pas, eh ben je peux le tuer ou fuir et refaire la zone. Voilà, autant de fois qu'il veut. Enfin, autant de fois. Chaque fois qu'il trouve le Pokémon qu'il veut, quoi. Voilà, chaque fois que je... Une fois capturé, après c'est fini. C'est ça. Une fois capturé, par contre, ouais, c'est fini. Si je veux capturer le Pokémon, c'est mort. Attends, t'as le choix, donc. Ah, toi, oui, bon, j'ai le choix, voilà. Allez, vas-y. Moi, j'aime bien la règle numéro 23. Quoi? Non, vas-y, vas-y. La règle numéro 22. Encore? Non, moi, c'était 23. Oh. C'est quoi la 22? Tu peux capturer un deuxième Pokémon dans la même zone. Non! Et. Ouh! Ça, c'est bien aussi. Bon, on a des... C'est la première fois qu'on a des règles positives. Ouais. Il y en a très peu, mais on a eu deux fois. Alors, c'est cool. Règle positive. Super. Ça, c'est plutôt stylé. Bah écoutez les gens, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sympathique. On n'a pas fait grand chose, on a visité un château, hein, voilà, c'était le c'est quand même une l'épisode belle vue, du tourisme. Bah oui, attends, il faut bien et ça. Il faut bien. Ah, bien sûr. Bien. Là, dans le prochain épisode, et bah, on aura pas mal de zones en plus. Hein, ouais, on va avoir plein de Pokémon. Voilà. À la limite, même le Ronflex, tu vois, je peux dire non si je le veux pas, boum. Ah ouais, j'avoue. Autre chose. Ouais, en effet. Voilà. Bon les gens. Bon allez, passez une bonne journée. On se dit alors techniquement, ça vous êtes sorti mercredi, donc ouais. À samedi. Samedi prochain, 16h. À 16h pour la suite. Et surtout, bah, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao.